Salut tout le monde, c'est le Gratteur Fou et j'ai tenté de remonter avec la machine à sous 1081, donc comme d'hab, au bonheur la chance. Allez, des mises à 20 balles. Allez, machine à sous spéciale remontée, enfin espérons qu'on se tape pas trop de longues séries de spin perdants. Ça c'est un peu la spécialité de ces machines à sous de fournisseurs. Enfin là c'est vraiment la machine à sous pile ou face, soit ça paye beaucoup, soit ça bouffe beaucoup. Alors est-ce que je vais me prendre en pleine gueule d'entrée 50 ou 100 spins perdants consécutifs? Sans déconner, belle série de spins perdants. Alors, 60 balles, pas énorme. En plus, on les pomme. Ok, un petit peu mieux. Alors, est-ce que ça passe? Un petit tour par là. Total. Des petits wins par-ci par-là, s'il peut nous raquer un win monstrueux, ce serait pas mal. Ça, bien sûr, bon courage. Pas tout le temps d'actualité. On a quand même fait un micro, enfin on avait fait un micro bénef par rapport à la balance de départ. Alors 240 ici. Et voilà, on en pomme une partie. Celui-là nous fait 340. Alors on repart un peu en bénéf, j'avais commencé à 4004, c'était super parti. Alors encore du win, 220. Bon, ben, si ce jeu peut faire gonfler la balance progressivement, c'est pas mal. Le problème c'est que ça gonfle et ça dégonfle aussitôt. Allez, c'est parti pour rebouffer le petit bénef. Quand c'est à 4004, ça a bouffé le bénef. Alors 400 balles. Ben dans le bénef, il tient encore la route. On n'est pas loin du chiffre 5. On a celui-là, 220. Allez, on tente de doubler la moitié. Alors on va faire un tour côté black. On va changer de couleur. Alors ce qu'il nous faut au total, 330, 4889.
Alors, 120-240, est-ce qu'on tente? C'était l'autre côté, malheureusement. Ah, les joies des doubles, quand ça passe, c'est bien, mais quand ça passe pas, quand même, ça fait des jolis montants perdus. Allez, retour aux sources à 4004. Petite démonstration de plus d'une machine à sous, je donne du bénéf, je le reprends. Alors 160-320, si la doublette elle passe, on se fait éclater d'entrée. Pareil. Faut pas rêver, les machines à sous là de fournisseurs que j'appelle Pampers, là comme celle de 1080, souvent ça remonte les crédits, mais bon quand même. Faut se faire un retour à la réalité au niveau du potentiel spin perdant. Ah, les 120-240, ça passe ou ça casse. Par là on se fait défoncer, par là, ça passe. On change. Atteindre le haut de la pyramide. Alors, on a quand même récupéré au total 360. Alors, chiottes, chiottes de bordel. Quand je dis ça, c'est pas bon. Ok, c'est passé. Ah, les 4008. C'est passé heureusement parce que si ça perd, ça fait un joli montant de paumé. De toute façon, les doubles c'est une chance sur deux, mais faut pas rêver, le casino il donne pas vraiment une chance sur deux sur des jeux de casino. Là encore, en premier lieu, faut-il avoir un win avant de se taper un double. Donc c'est bien beau d'avoir 50% de chance, mais d'abord, ah oui, c'est pas mal. En premier lieu, il faut un win. Ça c'est pas mal, 5007. Allez, un petit 160-320 si ça passe. Et non, double noir. Bon, là il y a quand même de la marge avant que ça redégringole à 4004 à l'annonce de départ avec des mises à 20, mais quand même. On connaît le potentiel spin perdant de ce genre de machine à sous. Cent 240. Un petit tour par là. C'était l'autre côté. Alors, l'erreur du jour, on va augmenter les mises. J'espère que c'est pas l'erreur du jour. Parce que ces machines à sous font flipper quand on augmente les mises et que ça part direct sur des spins perdants par la suite. Spin perdant, va redingo à 4004. Alors combien ici? 90. Allez, que du black qui passe. Moi, 360. Allez, stop.
365 005, 1100 balles de bénéfice pour le moment. 180. Ah, les 45 en jeu. Par là, par là, par là. Non, c'était l'autre côté. Eh ben, plusieurs wins consécutifs. Non, me fais pas le coup de 100 spins perdant. 100 spins perdant à 30, ça fait moins 3000. Voilà, ça foutra un coup de hache dans les crédits, mais direct. Allez, take. Voilà, jusqu'à présent, les mises à 30 balles, ça se déroule pas trop mal. On s'est pas pris en pleine gueule de très très longue série de spins perdants. Combien pour celui-là? 420. C'est tentant, mais non. Allez, 6. Dommage. Last throw, il va pas nous faire lancer 2 dés pour pas lancer les bonus. Bon, comme tous les bonus, sort rarement. Oh, 510. Allez, on dépasse le chiffre 6. Pas mal, bah, ça se déroule bien pour le moment jusqu'à présent. Ah, lancer dés. Allez, c'est parti. 2 et 5. Allez, 7 free spin, c'est parti. Alors, espérons qu'il y ait du win à la clé. 330, un petit peu mieux. 360, 190. Super wide à chaque spin. Eh ben, ça gagne à tous les coups, c'est pas mal les free games sur ce jeu. Alors, le dernier. 750, c'est pas mal. Bon, je pense qu'on va en rester là. Le jeu, il a bien payé. On a eu les free games. Éventuellement, pour ceux où la partie serait en mode mettre en péril potentiellement les crédits. Alors, 6934, on est quasiment proche du chiffre 7. Ouais, on va en rester là. Allez, un petit spin, hop. Comme par hasard, il est perdant. Et on termine à 6904, jolie performance. J'avais commencé à 4004, donc ça fait une jolie remontée.